PS4, Xbox ou PC. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Game Mode High Tech avec bien sûr moi, votre youtubeur Choublou. Ce n'est pas une vidéo de découverte de youtubeur ou de gaming, c'est une vidéo high tech. Je vais vous proposer un produit qui est quand même intéressant pour tous les gamers. Ce boîtier d'acquisition pour streaming est fait pour toi. Attention mon ami, je ne suis pas sponsorisé par Avermedia ou quoi que ce soit. C'est juste que cet objet est une merveille pour les gamers de PC, console. Ça nous permet d'enregistrer nos contenus pour éviter beaucoup de manips. Mais attention, attention, il est un peu complexe, c'est facile, mais il faut trouver des petites astuces à cause du copyright. C'est pour ça que nous allons l'expliquer tout de suite. Allez, reste assis et continue avec moi cette vidéo. Alors voilà mon ami, je continue la vidéo, hein. Tu ne me vois pas, mais tu vois quand même à peu près le matériel que j'utilise. Donc nous allons voir ce fameux boîtier hein, de la marque Avermedia qui est devant toi. Alors crac crac boum boum, tu vois mon ami, il est accompagné d'une télécommande. Alors elle est là la télécommande, je mets toujours comme ça pour avoir une image et on n'a pas le relief de la lumière sur les objets que je présente. Comme ça on a quand même une vidéo qui est de bonne qualité. Donc tu as la télécommande hein, qui est là, hein, voilà, donc il n'y a pas de montage dans cette vidéo, hein, c'est du réel, voilà, tout simplement. Donc tu prends ta télécommande et dès que tu enregistres, tu mets ta console, hein, ta console PS4, et ben le boîtier Avermedia, il est juste là. Alors voilà mon ami, on continue cette vidéo, j'ai mis le boîtier Avermedia qui est devant toi, c'est Game Capture HD 2, hein, c'est une moyenne gamme, hein, pas haut de gamme, parce qu'il y a plusieurs catégories de boîtiers. Donc tu vois, ici tu peux mettre ton micro, et ici tu pourras mettre ton casque, et là tu pourras intégrer la clé USB, ici, hein, si tu n'utilises pas de disque dur. Parce que cette machine, on peut utiliser le disque dur, après tu choisis, hein, comme tu veux, 1000 gigas, je sais pas, tu te démerdes en fait, tu choisis ce que tu veux. Donc si tu n'as pas les moyens d'acheter un disque dur, et ben, tu peux t'acheter une clé USB de 60 gigas qui va capturer tous les contenus de streaming de ta vidéo. Ça t'évite les manips sur la PS4. C'est vrai que la PS4, il faut aller sur le logiciel char, faut chercher la vidéo, après c'est un peu compliqué. Donc du coup moi j'ai trouvé que ce boîtier d'acquisition nous facilite les manœuvres si tu fais hein, je dis bien des vidéos montage sur YouTube et que tu n'as pas de PC. Donc tu peux travailler tes vidéos avec ce boîtier. Moi je l'utilise pour faire du streaming et surtout aussi pour faire mes vidéos sur PS4 pour le moment et PC. Ça m'évite de faire trop de manip pour que je puisse attaquer les vidéos que tu vois sur ma chaîne de Gran Turismo ou Call of Duty, n'importe. Voilà, le but de cette émission, hein, de cette vidéo, c'est de parler de ce boîtier Avermedia. Avermedia, t'as la télécommande, voilà, boum boum, et t'appuies, t'enregistres. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, t'as juste à appuyer, enregistrer. Voilà, donc derrière, t'as les sorties HDMI, et n'oublie pas, mon ami, hein, le split HDMI qui est là, le splitter HDMI qui est indispensable si vous faites si vous avez accès à ce boîtier pour PS4. Mes amis, je sais que sur Xbox le problème a été résolu, je me suis renseigné sur le net, sur pas mal de chaînes, mais sur PS4 c'est un peu complexe. Il faut ce boîtier splitter HDMI 2 en 1, voilà, qui va contourner le problème de copyright. C'est juste, on cherche à contourner le problème de copyright. Voilà mes amis, je vous propose cette vidéo de tuto. Si demain vous voulez acheter cet objet, bah voilà, moi je fais cette vidéo comme un simple consommateur. Je répète, je suis un simple consommateur. J'ai visionné pas mal de vidéos sur YouTube avec des normes de vues et la plupart, honnêtement, ont raconté des conneries et ça c'est dégueulasse parce que ils auront pu dire oui sur PS4, c'est un peu compliqué, il faut ce petit boîtier, or que tout le monde disait que oui ça marche, crac crac boum boum et c'est parti, cacahuète pirouette, et c'est pas vrai. Je fais cette vidéo non pas pour les concurrencer ou quoi, je m'en fous, je fais cette vidéo comme un simple amateur. Ne faites pas des vidéos pour nous arnaquer ou faire sorte pour générer des vues bidon, or que demain on viendra pas
automatiquement sur cette vidéo ou on n'ira pas sur cette chaîne tout simplement. Voilà mon ami, j'arrive à la fin. Je te présente cette vidéo comme un simple consommateur. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me faire part de tes commentaires. Surtout, n'oublie pas un pouce bleu. Et surtout, pour les nouveaux arrivés, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre notre évolution sur YouTube. Il me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!